Allez, de retour dans Valhalla Hills. J'ai peut-être pas besoin de prononcer les H comme ça, mais bon, Valhalla Hills. Donc en gros, un jeu de... A priori assez similaire au Settlers, hein. Un jeu de construction de cité, de gestion de population. La caméra me rend fou. J'ai vu une option pour ça. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de langages. Là, il y en a 12. Ok. Commande clavier, commande. Centrage horizontal automatique de la caméra. Non. Vitesse rotation. Ok. Ouais, c'est chelou parce que je peux tourner que comme ça. Bref. Ok, c'est pas grave. Ah là j'ai trouvé un raccourci, tiens. Z c'est pour la production. Ah mais putain ouais, je suis en QWERTY en fait. Je regarderai les commandes un peu plus tard. Donc. Alors c'est surtout que quand on. Ah quand on zoome le. Quand on zoome le comportement de la. De la caméra est un peu bizarre. Ok, soit. J'ai 5 un employé. Allez, au boulot les mecs là. Il faut des pierres. Hein. Et sauf que j'ai pas encore de carrière. Parce que je fais un camp militaire, je pense que je dois avoir assez de bûches. Allez, on va le faire histoire de. Ah, il est tout petit en plus. Alors là, c'est qui s'occupe du camp? C'est Elgrim. Il y a Ylvi, c'est elle. Donc, ah c'est bien, on voit son chemin, c'est cool. Hein. Donc, là elle est venue là, et il y a pareil, il y a Elgrim. Ils sont venus là pour prendre du bois. Alors maintenant, il vit, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, alors, je pense que je vais avoir besoin de créer. Je pense que j'ai pas d'armes en fait, hein. Ah ok, c'est juste un feu, c'est pour ça que c'est tout petit. Rien, ok. Alors, l'autel. Hein. Mettre des offrandes. On va en rajouter un. Pas d'offrande disponible, un viking doit s'approcher du portail. Mais elle est où elle? T'es gentil, mais tu vas là, ma cocotte. Retourne au travail, c'est bien ça. Là j'ai 14 vikings. Hein. Sachant qu'ils sont que 2 par tente. Donc en gros il faut. Ah ouais, ils sont que 2 par tente, sans déconner. Hop, allez, on va juste en faire comme ça, parce que pourquoi pas. Pas d'offrande disponible. Mais eux, c'est pas des vikings du coup? Là, il n'y a que un militaire. Oh, il peut faire des haches. Tiens, Allez, j'en mets 3. Et lui, je lui demande 1, 2, 3 haches. Ok. Donc là, je n'ai plus que 2 mecs inoccupés. Hop. Allez, bon, là je fais durer le plaisir.
qu'il est un porteur, oui, très bien. Ah putain, caméra! Je vais me fâcher. On a l'air d'être centré sur un point, mais je comprends pas trop là. Moi j'aime bien cette vue là, laisse-la moi. Pourquoi je... Ok. Ah, offrande. Alors. Gardiennes de glace sont tout aussi coriaces que leurs homologues masculins. Ok. Commencez l'offrande. Allons-y. Mettons deux porteurs. Ennemi 1. Alors, on peut faire une offrande pour en fait, genre, annuler ou amadouer l'un des ennemis. Ok, bah je vais juste laisser passer l'offrande. Voir comment ça se... Cool. Du coup, je pense que eux, là, ils sont en train de... Ouais, non, Thorsten et Ylvi. Là, il y a Ivar. Il est où lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Va chercher une hache. Comment je peux leur dire d'aller chercher une hache? Produit 2 sur 5. Ok, c'est les stocks. J'ai l'impression qu'il y a Alfred qui en a pris une. Pourquoi il a pris une... Ah, parce qu'il le met là, en fait. Ils ont un peu attendu. Débloquer lac feu de camp. Donc, il vit bien sa hache. Offrande prête. Mais est-ce qu'il faut que j'offre maintenant? Allons-y. Portail ouvert. Vous avez ouvert le portail qui mène au Valhalla. Préparez-vous, car très bientôt, les gardiens du portail tenteront d'empêcher vos vikings de traverser. Protégez votre portail de départ à tout prix. Si vous le perdez, vos vikings devront abandonner tout espoir. Allez, je sais pas, fais-moi deux autres. Ivar a trop faim. Ah ouais, faut peut-être. Bon, et à tout hasard, je vais faire une autre poissonnerie, genre là. Ah, il est peut-être trop loin, lui, en fait, hein. Et lui, il a plus de bois. Voilà, lui, ils ont des haches. Alors, mais comment je fais? Tiens, regardez là. No way. Je viens de planter. Alors, de retour dans Valhalla Hills, après deux plantages en fait. Manifestement, ça arrive lorsque je clique sur l'hôtel. Donc, bon, on va pas cliquer dessus. Alors. Ah, tiens, le type est là. Donc, là en fait, c'est un ennemi, une gardienne de glace. Du coup, là, il faut a priori que je la combatte. Mais du coup, je sais pas exactement comment.
Eux, il manque de haches. Donc là, j'avais fait le maximum de guerriers possible. Lui, je lui avais demandé de faire des haches. Il lui en reste juste une à faire. Ensuite. Pas d'armes, oui, je sais. Fatigue, appétit. Pas d'ennemis disponibles. L'ouverture du portail invoquera des adversaires sur votre île. Apaisez-les avec des offrandes ou affrontez-les. Pas d'ennemis disponibles, ouvert. Ah, voilà. Bah tiens. Là, les mecs lui courent après. Alors, affrontement. Il fallait bien que ça arrive, vos vikings se font attaquer. Les civils sont capables de se défendre à main nue, mais il est préférable d'affronter les ennemis avec des guerriers. Les guerriers sont formés dans les camps militaires et les casernes que vous pouvez construire à partir du menu de construction. C'est lui qui vous permet d'équiper vos troupes de différents types d'armes. Oui, c'est ce qu'on a fait. Vos guerriers iront donc affronter toute créature hostile présente dans le périmètre du camp. Placez donc ces derniers de manière stratégique. Ok. Alors. Donc là, elle se prend des coups. Voilà. Nice. Et ben voilà. Allons-y. Donc voilà pour le deuxième tutoriel. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Sol enneigé. Ouais, on peut rien faire pousser. Petit soubassement. Ok. Carrière. Les blocs de pierre issus de la carrière sont utilisés pour la fabrication d'outils et la construction de certaines structures. Ouais, là on en avait déjà eu besoin, mais on avait un stock suffisant. La ferme permet de récolter du blé qui pourrait être moulu pour obtenir de la farine. Oui, petite carte. Ok. Soubassement moyen. Ok, donc c'est pour construire des bâtiments sur des pentes. Puis. Adore l'eau fraîche et pure, surtout pour fabriquer de la bière, brasserie. Ok, ça augmente la résistance des soldats. À partir de blé et d'eau. Ok, donc il faudra des fermes également. Stock militaire, stock l'or, les armes et la bière qui serviront à vos soldats. Ah. Et tailleur de pierre, évidemment. Permet de tailler des blocs de pierre en briques, plus adaptés à la construction. Ok. L'outilleur est une structure importante. Outils et armes rudimentaires doivent y être commandés manuellement. Alors, hop. Alors, armes et outils. Vous pouvez ordonner à l'outilleur de fabriquer des outils et des armes rudimentaires. Des armes plus puissantes seront accessibles plus tard à l'armurerie. Dans les camps militaires, les guerriers sont recrutés en choisissant un type d'arme. Ouais, c'est ce qu'on avait fait. Commander des haches pour avoir des guerriers combattants au corps à corps. Commander des arcs pour disposer d'archers. Les civils sont capables d'explorer sur de grandes distances pour fabriquer leurs outils. En revanche, les guerriers ne peuvent pas quitter la zone d'influence de leur camp militaire. Ok, on va fermer. Alors, non, pourquoi tu t'affiches par là? Alors, là c'est un peu pourri. Production, alors. Outilleur. Ah, pète les couilles ça. Je vais le faire, je sais pas, là. Bûcheron. Permet de transformer des bûches en planches, ouais. Logistique, tente. Là j'en mets une là. Je sais pas, j'en mettre une autre là. Hop. Donc ici on va mettre un peu plus de monde. Voilà, donc quand les trucs sont en pente, ils construisent les sous-bassements avant de construire le reste. Ah, sentier. Avec la manière dont vos vikings se déplacent et permettent d'agrandir la zone d'influence de vos structures. Souhaite, petit stockage, tente, feu de camp. Permet aux vikings inactifs de discuter entre eux pour assouvir leurs besoins de socialisation. Ouais, souhaite. Tiens, je te mets au milieu, hop.
Production, on va surtout construire. Alors, carrière, hein. Tailleur de pierre permet de. Alors, attendez. Produit des blocs de pierre utilisés pour la fabrication d'outils de construction et de structures. Hop là, lui. Alors, une hache rudimentaire, un marteau rudimentaire, une canne à pêche. Pour l'instant, c'est tout. Poissonnerie. Hop là, on va mettre un chasseur également, donc c'est pour ça qu'il faut une lance. Hop là, hop, toi je te mets un porteur. Un bûcheron il est déjà là, il va se servir en hache. Pourquoi il y a des choses là? Il y a déjà des bâtiments de construits en fait. Du coup, chemin. Les sentiers, chemins et routes permettent d'augmenter la zone d'influence de vos structures. Cliquez sur une structure pour visualiser sa zone d'influence. Ils accélèrent la vitesse de déplacement de vos vikings et les guident dans certaines directions, ce qui vous permet de leur faire atteindre des ressources et d'améliorer leur productivité. Pour construire un nouveau sentier, cliquez l'onglet logistique. Placez le début et la fin du sentier en cliquant sur la carte. Faites un clic droit pour quitter le mode construction. S'ils sont régulièrement utilisés, les sentiers se transforment automatiquement en chemin puis en route. Nice. Bah écoutez, on va se faire. Pouf. Pouf. Pour l'instant, c'est bon. Ça ne produit rien, alors il faudrait sans doute faire une carrière. Ouais, j'ai pas besoin de planches encore. Alors, carrière. Carrière. Les carrières permettent de produire des blocs de pierre qui seront nécessaires à la construction des structures et d'outils pour transformer les blocs de pierre en briques, de pierre cassée, de pierre carrée. Vous devrez construire un tailleur de pierre. Les briques seront nécessaires pour accéder à de nouvelles structures. Ouais, alors on va déjà construire une carrière. Du coup, proche des. Ah, ben là, hop. Là, il faut peut-être un peu de monde, sinon ils vont un peu mourir de faim, les gens. On va également mettre un petit stockage, genre, allez là. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Allez, une tente. Qu'est-ce que je voulais? La carrière elle est là. Siri, on va attendre tant que j'en ai pas besoin. Un tailleur de pierre. Ok. Puis. Ouais, mais j'ai peut-être pas forcément besoin de. Ah, lui il a besoin de planches. Ok, c'est quoi ça, didacticiel? Ok. Je vais faire un sentier. Ah, la caméra, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais, alors là, ça serait bien quand même. Hein. Ah, mais on manque peut-être de bûches en fait. Porteur 1 sur 3. Ouais. Marteau rudimentaire. Hein. Canne à pêche. Hein. J'ai besoin de bâton. Il a pourtant un porteur. Hein. Ok, on place la nuit. Ouais, faites lui d'abord là. Hein.
Alors, les mecs inoccupés, il n'y en a que deux, donc c'est bien. Lui, il est juste à côté. Il est un peu loin de tout, lui. Parce que, est-ce qu'il faut que je construise plusieurs bûcherons? Je vais attendre que lui déjà. Putain, la caméra. Bon, là, qu'est-ce qu'il fout? Coût de la structure en coût du soubassement 4. Ouais, c'est la galère. Pourtant, il a ce qu'il lui faut. La carrière, ça attend. Moi, j'ai pas de bûche. Alors, le bûcheron, il est où là? Ok. Le mec, il a super faim. Ils ont tous super faim là. Ils ont un feu au moins. Alors, si je veux. Ok. Donc, lui, il a besoin de quoi? Produit des blocs de pierre utilisés pour la fabrication d'outils, de la construction de structures. Il a besoin de quoi comme outil? Ben, il en a déjà un. Tous les biens ont été fabriqués, ok. Alright. Là, ils y sont toujours pas. Je vais construire un autre. Un autre bûcheron là, en fait. Là, il a plein d'arbres. Je vais faire genre un sentier aussi. Je sais pas trop pourquoi je fais ça, mais hop. Hop là. Lui, il est toujours pas fait. Ils vont juste mourir de faim. What? C'est moi ou ça brûle hein? Wait, 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 wait. Pourquoi il brûle hein? What? Bon, pour l'instant, j'ai pas de pierre. Hein. Il lui faut encore deux trucs comme ça. Pourquoi il s'est mis à brûler? Alors. Lui, il est en feu ou quoi? Je comprends pas trop. Non, c'est juste une torche. Ok, ouais. Cool. Bon, lui, il va pêcher. Ensuite, là, un autre bûcheron. Du coup, il va avoir besoin de un autre outil. Pourquoi j'ai mis l'outilleur aussi loin? Là, il faut que j'attende. Au niveau des sentiers, je vais faire exactement ce qu'il a fait. Ok, nice.
Du coup, maintenant, on reconstruit. Waouh, ça coûte super cher. On reconstruit ça. Remarque, j'aurais pas dû. Ok. En fait, on va construire une scierie. Ah, mais j'ai peut-être pas de bloc de pierre. J'ai un bloc de pierre. La scierie, on va la mettre. Ben là. Là, je pensais à la nourriture en fait. J'ai quand même besoin de la carrière le plus tôt possible ou presque. Ouais, donc là, ce sont les ressources qui restent à apporter. Parce qu'avant, c'était 2-2 pour le coup en bûche. Lui, il est bien placé. Parce qu'il a plein d'arbres autour de lui. Sélectionner le viking, on peut pas en rajouter un. Non, dommage. Ressources manquantes, bûche, ouais. Ok, le soubassement est déjà fait. Pierre, une, on en a une. Machin inactif, ils sont que 3. Shit.